Dans un monde caractérisé par une surcharge d'informations et des distractions constantes, réussir à maximiser sa productivité fait toute la différence entre des journées de travail à rallonge sans pour autant produire des résultats concrets ou libérer du temps pour des choses qui comptent vraiment pour vous tout en réalisant des objectifs de plus en plus ambitieux. En effet, la productivité ne peut pas être un objectif. Elle n'est qu'un moyen qui nous permet de passer le moins de temps possible sur des tâches ennuyeuses. Comme ça, nous en avons davantage pour faire ce qui nous plaît et nous rend heureux. Mind Parachutes. à chaque idée des nouveaux horizons. La 25e heure de Guillaume de Baudine Baudin et Jérôme Dumont. Dans les livres La 25e heure, Guillaume de Baudine Baudin et Jérôme Dumont dévoilent les secrets des entrepreneurs à succès pour booster la productivité. L'équation est assez simple. Le travail accompli est égal au temps passé fois l'intensité de concentration fois la rapidité d'exécution. Dans la première vidéo dédiée à ce livre, vous pouvez apprendre comment améliorer votre organisation, les premiers facteurs de l'équation. Dans cette vidéo, vous découvrirez comment améliorer votre capacité de concentration et votre rapidité d'exécution. Se concentrer les évolutions technologiques des dernières décennies ont amené dans chaque bureau des ordinateurs et des smartphones. Les nouvelles organisations du travail ont porté à la généralisation des open space. Les médias et les réseaux sociaux nous sollicitent constamment avec des nouvelles notifications et de nouveaux contenus. Dans les mondes d'aujourd'hui, ce qui devient rare, c'est notre attention. En moyenne, nous travaillons 11 minutes entre chaque nouvelle interruption. Toutes ces sollicitations peuvent même donner l'illusion d'être productif, mais ne pas réussir à travailler sur une seule tâche jusqu'à qu'elle soit terminée est un énorme frein à notre productivité. Le premier obstacle à la concentration est les nuages de pensées parasites. Il s'agit de toutes les choses que vous ne devez pas oublier de faire. La meilleure technique pour vous en débarrasser, c'est votre liste tout doux. Dès que vous savez que vous devez réaliser une nouvelle tâche, notez-la tout de suite. Ensuite, simplifiez-vous la vie en ce qui concerne les rappels et les relances. Recontactez un collègue sur un dossier, rappelez un client pour une proposition. Libérez votre esprit en utilisant des outils qui vont se souvenir de ça à votre place. Par exemple, utilisez votre calendrier Outlook pour vous rappeler des tâches périodiques. Ou encore, profitez des nouvelles fonctionnalités des Gmail pour programmer l'envoi d'un mail ou la relance d'un email sans réponse. Une autre technique très utilisée pour gagner en sérénité est l'inbox zéro, votre boîte de réception de vide. Voici comment faire en trois étapes. Si l'e-mail que vous venez de lire ne demande pas d'action de votre part, archivez-le tout de suite. Si vous avez une action à faire qui demande moins de deux minutes, faites-la tout de suite. Répondez à l'e-mail et archivez-le immédiatement. Si l'action à faire demande plus de deux minutes, ajoutez-la à votre liste To Do et archivez le mail. Attention par contre, ne tombez pas victime de cette méthode. Ce qui compte est de réaliser les tâches importantes, pas d'avoir une boîte mail vide. Un bon objectif est de viser le inbox 0 deux fois par semaine. De manière générale, ne vous faites pas trop distraire par vos emails. En moyenne, un salarié regarde sa boîte mail toutes les 15 minutes. Impossible de se concentrer comme ça. Limitez-vous à consulter vos emails trois fois par jour maximum, par exemple en fin de matinée, en début d'après-midi et en fin de journée. Vous pouvez même informer vos interlocuteurs de cette démarche en paramétrant une réponse automatique à vos mails reçus qui indique de vous envoyer un SMS en cas d'urgence. Évitez aussi de regarder vos emails professionnels en dehors des heures du travail. Vous risquez de stresser pendant vos soirées et vos week-ends pour un problème sur lequel vous ne pouvez pas agir jusqu'à votre retour au bureau. Un autre élément qui aide à maintenir une bonne concentration est de garder un bureau bien rangé. Si votre bourreau est encombré, votre esprit le sera également. Cela est valable pour votre bureau physique comme pour le bureau de votre ordinateur. Nettoyez-les régulièrement pour que la seule chose devant vos yeux soit la tâche que vous devez traiter en ce moment. Protégez-vous des tentations autour de vous. Les notifications des réseaux sociaux, les flux continus de médias. Des outils très efficaces sont ceux qui bloquent carrément l'accès à ces distractions. J'utilise moi-même l'application Freedom. Elle m'aide à ne pas me disperser en surfant sur Internet pendant des heures. Vous avez aussi des applications où parquer les articles à lire ou les vidéos à regarder, de manière à les retrouver facilement plus tard, comme l'extension Pocket pour chrome. Quand vous devez vous isoler du monde autour de vous, une technique redoutable est de se mettre des écouteurs. Cela signale à vos collègues que vous travaillez sur une tâche importante et que vous ne voulez pas être dérangé. Et écouter de la musique instrumentale sans paroles peut d'ailleurs vous aider à vous concentrer. Cherchez aussi des endroits où travailler ailleurs que le bureau. Dans un café, chez vous, vous isoler des sollicitations des collègues pendant une demi-journée peut vous permettre de bien avancer sur vos tâches. Accélérer. Une fois que vous avez optimisé votre organisation et que vous avez protégé votre concentration, ce dont vous avez besoin est d'accélérer votre vitesse d'exécution. Vous pouvez faire ça grâce à la méthode FAST en quatre étapes. Les fondamentaux. Bâtissez une base solide pour gagner du temps sur vos futures tâches. L'automatisation. Faites réaliser vos actions répétitives à un robot. Speed, la vitesse. Accélérez les actions manuelles. 20, la règle 80-20. Focalisez vos efforts sur les 20% d'actions qui vous permettent d'atteindre 80% des résultats. Parmi les fondamentaux, voici quelques idées. Reposez-vous. Chaque jour, nous disposons d'une quantité finie d'énergie mentale et émotive. Afin de ne pas l'épuiser tout de suite, il est important de prendre des vraies pauses qui vous permettent de récupérer. Des pauses déjeuner, des temps morts entre deux réunions et même des siestes de 15-20 minutes si vous êtes vraiment fatigué. Un esprit sain dans un corps sain. Faire du sport régulièrement, soigner son alimentation et s'adapter à son propre rythme biologique permet de maximiser l'énergie dont vous disposez pour faire avancer vos projets. Investissez dans des bons outils. En commençant par votre ordinateur. C'est lui qui doit vous attendre et pas le contraire. Aussi, n'hésitez pas à acheter des logiciels qui peuvent vraiment vous faire gagner du temps. Concernant l'automatisation, adoptez la règle d'or. Si vous devez réaliser une action plus d'une fois, cherchez à l'automatiser. Par exemple, déléguer les remplissages de formulaires et des mots de passe des sites web que vous utilisez à une application comme dashlane par exemple. Optimisez aussi la gestion de vos mails. Grâce au paramétrage des règles automatiques, vous pouvez identifier le mail en provenance de votre responsable ou des clients importants en changeant la couleur de caractère. Supprimer les mails inutiles et archiver ceux que vous souhaitez lire plus tard. Répondre à certains emails comme refuser une invitation si vous êtes déjà occupé sur le créneau. Pour améliorer votre vitesse d'exécution Speed, il est intéressant d'identifier les activités dans lesquelles vous passez le plus de temps. Les réunions, les emails, Excel, les réseaux sociaux. Des outils comme RescueTime peuvent vous aider dans cette estimation. Une compétence qui probablement peut vous faire gagner beaucoup de temps est votre vitesse d'écriture. Dans l'utilisation de votre smartphone, utilisez les logiciels de reconnaissance vocale comme Siri ou Cortana pour déter les textes d'un SMS ou d'un message WhatsApp. Sur le web, vous trouvez aussi plein d'outils gratuits pour dactylographier plus vite. Une session de 10 minutes par jour avec Type In Club vous permettra de gagner beaucoup de temps. Vous pouvez aussi améliorer votre vitesse de lecture grâce à des techniques de lecture rapide. Mais attention, en accélérant la lecture, le niveau de compréhension et de mémorisation diminue en conséquence. Donc, appliquer ces techniques uniquement pour les documents rébarbatifs est peu important. L'utilisation de raccourcis clavier, au lieu que la souris de votre ordinateur, accélère des tâches dans vos applications bureautiques ou la navigation entre les différents logiciels que vous êtes en train d'utiliser. Prenez un peu de temps pour vous familiariser avec ces raccourcis. Pour terminer, adoptez la règle des 20% ou 80-20. Si vous vous focalisez uniquement sur les activités qui vous demandent 20% d'efforts et qui produisent 80% de résultats, vous améliorez significativement votre productivité. Vous pouvez laisser tomber tout le reste. Obligez-vous à aller vraiment à l'essentiel en fixant des deadlines irréalistes pour vos tâches. Il vaut mieux avoir terminé quelque chose, même si perfectible, que de rechercher une perfection inutile. Si vous souhaitez approfondir ce principe, vous pouvez regarder les deux vidéos Mind Parachutes à ce sujet. Une fois que vous aurez atteint des gains de productivité significatifs, Grâce au conseil de la 25e heure, vous pouvez les convertir en temps ou en argent. L'option par défaut sera de les convertir en argent, servir plus de clients, chercher une promotion. Mais négligez pas la deuxième option, les convertir en temps libre, en partant un peu plus tôt le soir ou en prenant une journée off par semaine. Ce choix, qui est malheureusement encore mal vu dans notre société, a potentiellement plus de chances de contribuer positivement à votre bonheur. Quelle technique ou outil favorisant la concentration ou la vitesse d'exécution allez-vous tester cette semaine Quelle utilisation allez-vous faire du temps gagné grâce à votre meilleure productivité Laissez un commentaire ci-dessous. Vous pouvez soutenir la production de Main Parachutes en faisant une donation vers le site Tipeee. Téléchargez la carte de cette vidéo et de toutes les vidéos précédentes depuis mon site internet mindparachutes.com. Si vous avez aimé la vidéo, inscrivez-vous à ma chaîne YouTube et partagez la vidéo autour de vous.